Les violets, là. Le jaune, là-bas. Orange, là. Allez, on y va. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver pour cette troisième. Et oui, déjà, troisième et dernière séance. Allez hop, c'est parti. Allez-y, montrez-moi ce que vous savez faire. Je... Oui. Fixe, fixe le geste et vite. Oui. 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 Elle est bonne. Prise de balle, vite, vite, vite. Oui, bien joué, parfait celle-là. Là, emmène. Voilà, c'est ça. Ce dribble-là fait un peu plus appel à ce qu'on appelle la tonicité et l'explosivité, parce qu'il permet de rejaillir sur le deuxième appui. On est dans une situation, dans un travail du perfectionnement de la première touche de balle, de la prise de balle. Et on n'est pas dans une situation de vitesse et de finition. L'intérieur du pied est utilisé avec la passe courte au sol. Là, la passe courbe, c'est le coup de pied, mais l'intérieur du coup de pied. C'est-à-dire que la distance entre l'adversaire et moi doit être à peu près d'une trentaine, quarantaine de centimètres. Alors que quand on veut déclencher un passement de jambe, il faut bien prendre un petit mètre. Et on a axé le travail sur cette notion de rythme. Je crois que c'est une des priorités dans le football. Dans la rue, dans les parcs, et tu voyais tous les gamins qui essayaient ces passements de jambes-là. La richesse du dribble, c'est ça. Dès lors que vous faites sortir de ce cône de sustentation une partie de votre corps, eh ben, vous avez plutôt tendance à vous déséquilibrer et à chuter. Fixez, fixez. Emmenez l'adversaire d'un côté et sur le même appui, le déstabiliser en le prenant à contre-pied. Sur cette séquence-là, la seule chose que vous accentuez, c'est le changement de rythme à la prise de balle. Dégagez bien le regard du ballon. Clac, clac. Autant c'est lent, lent. Par contre, dès que je récupère la balle, là c'est vite. OK ? Mise en situation réelle. Double passement de jambe, c'est quelque chose de beau. Vous avez actuellement sur les écrans de télévision quelqu'un comme Cristiano Ronaldo qui maîtrise parfaitement ce geste-là. Alors deux, c'est gentil pour lui. Des fois, il en enchaîne 4, 5. Donc ça, ce sont des techniques de passe qu'on verra par la suite. Vous avez des joueurs qui ont cette capacité à faire une prise de balle à contre-pied. OK, c'est bien les gars, on fait la dernière. But. OK les gars, c'est bien, ça va. Allez, on va terminer par celui-là. Oui, bien joué. Gardez bien la maîtrise du ballon avec les deux pieds dans la conduite. Ah, le vainqueur. Là, c'est bon. Ça veut dire mettre la balle au sol. Oui. Bonnes vacances. Rentrez bien. Et à bientôt.